Salut, salut, c'est JL Kago. Alors, je voulais juste avec vous faire un tout petit point parce que l'enchère vient de se finir hein, sur la pièce dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, le fameux Drill Spacer Fabian Plastica qui était donc mis en vente sur eBay à quasiment 5000 euros. Il n'y a pas eu d'acheteur, il s'est pas vendu. J'ai suivi la fin de la vente en direct des fois pour voir si jamais il n'y allait pas avoir un sniper qui arrive sur la fin et paf, qui fout 5000 balles sur la table. Alors, la pièce ne s'est pas vendue, mais quand on a des pièces à ce prix-là, on va dire, c'est assez courant. Malheureusement, je parle pas italien, je vais pas pouvoir vérifier, mais je suis quasiment sûr que cette personne a reçu un tas de propositions, on va dire, par message privé, hein. C'est ce qui se fait souvent dans ces cas-là. Peut-être des personnes qui en ont proposé 1500, 2500, 3000, je ne sais pas, mais voilà, je voulais vraiment faire juste un petit point fin de vente hein, avec vous sur cette pièce, parce que bon, j'avais couvert le début de la vente avec ma vidéo. Donc voilà, donc cette pièce n'est pas vendue sur eBay à 5000 euros, mais comme je vous dis, c'est quand on atteint des prix comme ça, c'est courant. La personne a dû recevoir, je pense, pas mal de propositions. Sous-marin, on va dire. Donc, est-ce qu'il va accepter ses offres ou est-ce qu'il va reconduire sa vente? Est-ce qu'il va attendre un petit peu? Honnêtement, j'aurais parlé italien, je serais rentré en contact avec donc avec le vendeur, mais là, c'est même pas la peine. Donc voilà, écoutez, c'était juste pour vous donner cette petite information. Et puis, si jamais vous aviez l'intention, mais je vous ai dit merde, 5000 balles, c'est trop cher, écoutez, contactez le vendeur et puis faites-y une offre, je sais pas, 500 balles, c'est bien quand même. Allez, salut! Wow.